Ou besoin bon analyse à commenter sur sport, nous invitons à suivre un grand show sur écran. Sport Express 62. Besoin aller plus loin que ça pas bien comprendre, pas quitter train à quitter. Pendant 45 minutes, viens regarder, viens écouter, viens comprendre ça qui t'est passé, ça qui t'a passé dans toute discipline pour ici pour notre bord de l'eau. Sorti lundi pour vivre vendredi, chaque après-midi 6h, ça fera le show dans Show Power là, Sport Express 62. Sport Express 62, c'est l'émission tout le monde qui connaît sport. Bonsoir tout le monde. En pile excuses. J'aime nous te mettre hier parce que nous pas de cas présent pour nous être capable de présenter Sport Express 62. Sport Express 62, gain un producteur, gain un réalisateur. Malheureusement, monsieur était empêché qui fait que nous pas de cas présenter l'émission 1. Les gombarais très important que tu as réglé. Un gros code, si vous comptez des bouts de code qui étaient voyage, ça c'est un gros code. De toute façon, ce n'est que partie remise. Ça nous perdit dans la longueur, n'a pas tiré dans l'argent. Bonsoir tout le monde, bonsoir Berman. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous les téléspectateurs de New York, tous les super branchés, fanatiques. Eh bien, rendez-vous a été raté hier, heureusement, et tant que vous continuez à jouer là, plus de peur que de mal. Nous là, je dis, hein, pour continuer l'aventure là, continuer maintenant plus loin à toute information sportive nationale et internationale. Train te mené au Cap. Dans des habits, tu es supposé gagner entre ASC avec l'équipe Real. Dame Thuy qui n'est pas ton invité. Mais nous avons dit tout le bagage sauf un invité surprise parce que ces derniers temps, la pluie est tombée en pile dans le pays et dans plusieurs terrains. C'est pour ça qu'il y a un pile match qui n'est pas joué. Ce n'est pas seulement match et ASC face à l'équipe Real. De toute façon, Derby Saint-Marcoy, Sport Express 62, grâce à Harmony Tour, nous sommes là tout et nous n'avons pas le poté pour vous. Ça qui est passé dans Derby. Nous n'avons pas le championnat national là au complet. Et ça qui est passé, résultat, match qui reporté, comment classement y est, équipe qui relégable avec un pile monde qui a fait déclaration, Ristine qui perdu dans le stade Divio 14 et Gérald Beauvais, Toto, expliquer comment Ristine fait perdu ainsi. Et puis ensuite, Woody Joseph qui s'est entraîneur équipe FICA depuis le monté, c'est Neg qui pote chance pour équipe FICA, lui vivre un pile expérience avec équipe FICA comme entraîneur adjoint et là, lui vient entraîneur principal, là fait bon résultat. Sélection, moins de 20 ans, nous déjà qualifiés pour arriver à la semi-finale, mais dans l'équipe, là, ça finit. Je me dis là, nous te dis, premier, on a gonflé, deuxième, on a bien avec un ami, et puis troisième, non, nous besoin de green goal pour nous finir, 9 sur 9, non pour là, et puis nous dit devant pour nous faire ça, et 17 et faire, ben. Et ça, qu'on va oublier tout, match solidarité qu'a fait. Et dans le stade de Sylvicator samedi, tournoi solidarité entre journalistes, sélection nationale moins 17 ans, artistes et puis ancienne gloire, ancienne superstar, sélection nationale senior dans le pays d'Haïti. Une façon pour rassembler toute qualité et ça que nous gagnons, l'argent, côté et l'autre causé, et venir participer dans le geste, dans l'élan solidarité, ça que. Fédération haïtienne de football, famille football l'avait fait envers l'autre frère actionnant sportif qui toujours dans une situation compliquée, situation difficile dans le NIP, dans le sud à Gandos. Nous avons un moment côté que pour nous coller les épaules, côté pour nous serrer les coudes, côté pour nous bailler l'autre la main, pour nous recommander qu'à sortir dans une situation difficile. Ça. Et maintenant, comme sport qui permet que l'espoir bougeonne, l'espoir jamais. C'est pour ça que nous avons servi avec le football, le sport en général, pour nous capables de sortir dans un mauvais impasse, dans une mauvaise situation. Parce que les gens qui allaient dans l'activité sportive, non seulement qu'ils prennent plaisir pour le garder, mais la balle force tout pour nous capables de sortir. Parce que la situation est très, très, très difficile et très compliquée dans le pays en général. Le championnat national de Berman a été joué 11e journée dans le week-end et au Cap. Tu supposé gagner un Real du Cap face à l'équipe ICA. Un Real nous dit qu'il sortit en dans l'équipe ICA, mais qui pourquoi bat AIC et AIC pourquoi bat tout parce que n'ont pas joué un peu le match ensemble. Oui, c'était un gros rendez-vous dans le week-end qui se passait là, dans la 14e journée.
mais tant qu'on connaît ni intempérie et te gagne un mauvais temps et sous pays d'Haïti, en tout cas en pile côté dans pays d'Haïti, gagne crise jouer gagne Paris jouer et là on capable gon idée de et faut qu'a fait dans équipe Real du Cap là Jean Wayo propre là Jean Wayo y est dans vestiaire là ça veut dire que équipe là gagne et moun k'ap gérer le moun k'ap gérer manager yo équipe bon a fait bon tout bon. Et ça c'est ou ka bien envie gérer puis la fin pas moyen ou pas garder l'autre garder comment l'autre là qui sorti non l'autre là était vlain comme ça et bon mais petit gens avec parce que yo besoin manager tout bon. Parce que nous ka dit toute bagaille sauf que AEC nous connaissons équipe qui gagne en pile fanatique au cap mon AEC gagne au cap garder la cap gonfler et tant que ça ne pas connaît le fait que nous dit équipe là et comme si garder je pas être là ti chaise bio sur yo ti ma autant qu'on est capable jouer basket alors que l'autre là gagne belle sous vêtements et alors que nous connaît où est différence là où est différence mais là parce que son mauvais management parce que AEC gagne moyen AEC c'est équipe non noa qui par hasard pour fanatique fait n'importe qui cadeau pour fanatique bah n'importe qui causer et là pareil moun yo pas déplacé parce que là peut-être tombé depuis dans le matin depuis dans le matin et nous voit comment qu'il plan malgré ça qu'il y a deux trois mordu quelque malade capitaine cap veille depuis match jouer là depuis match jouer là mais goal appui ça veut dire que ça fanatique ça comment il pas dit Joe Candel dans football et Joe Candel et fanatique Joe Candel et bon Jean oui on te dit aïe 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 Joe Candel ah, yo gon l'autre nom que yo vinn ba yo gon là tellement yo fanatique AEC yo malade tellement fanatique parce que AEC efficace moun ki pogre moun ki malade vraiment nan et villain c'est Real. Real ou konnen Real fek et Real son jeune équipe qui pogre même gen 10 ans c'est mais qui gete grandi vite mais c'est ça qui rive l'ogre moyen ou aller vite mais là tout n'a tout encourager Real pendant le moyen nous président t'a parlé de licence des clubs. Il y a même une possibilité pour aller vite dans la question de la licence des clubs. Tout à fait. Et conditions et critères sont une liste de 13 qui ont été, mais ce n'est pas difficile. C'est réfléchir et en réfléchir. Et une volonté pour aller vers la licence. Là. Et puis, tout va faire. Parce que ça demande ça vraiment, ce n'est pas, c'est pas les étoiles qui ont été. Bon. Comme en Haïti, tout bagarre est problème pour nous. Tout bagarre c'est gros cause pour nous. Dès qu'il s'agit d'organisation, peut-être c'est ça qui fait que nous avons traîné et sous causé comme ça. De toute façon, nous souhaitons, Jean nous avons gagné Wisnik Grant hier soir, il a fait effort pour permettre que nous gagnions tout ça que CONCACAF avec FIFA mandé dans la question licence et des clubs. Là, Real, nous connaissons qu'il y a une gros académie, gros centre qu'il a essayé de mettre en place dans la zone de l'autre pont pour les gens qui connaissent au Cap, dans la zone Madeline. Il y a déjà gagné environ une dizaine de carreaux de terre pour être capable de faire gros infrastructure ça pour être capable de faire sport normalement dans zone Nord avec équipe Real du Cap là et yo gen en pile jeune dans 2 ou 3 ans équipe ça a pas gen moun qui cap kembel parce que yo fait en pile formation là nous pas souterrain Berman nous pas Saint-Marc avant que dans Saint-Marc rappeler hein que Jean et femme était montré match arbitre a été constaté que ballon pas ramater et match ça lui-même c'est premier match qui était remporté qui était reporté pardon dans journée. Il faut dire que nous sommes présents dans ce stade-là grâce à un courtoisie de Amonitou qui te permet de nous aller. Mais il faut dire que nous avons sans souci qui donne un bon coup de main dans la question de ça. Et il faut que sans souci transport et Tessieux qui, à chaque fois que vous sollicitez, toujours répondre présent pour permettre équipe Galaxy, équipe Sport Express 62 d'entrer au Cap sans difficulté. C'est ça. Donc, sorti au Cap, nous avons rendez-vous pour le deuxième derby. Hein, yeah, et tout à fait, là, c'était dans Ville-Saint-Marc, 43e derby. Nous quittons Gonaïve, nous sommes au Cap. Nous quittons Gonaïve. Nous parions Gonaïve dans l'Aigle Noir. Gonaïve, nous avons battu l'Aigle Noir 0. Oui, nous parions là, Dani. Et puis nous allons à Saint-Marc. D'ailleurs, Saint-Marc, c'est là que nous avons un derby. Nous avons non pas 19, un terrain requinqué. Il y a un terrain côté qui était grand. Puis le travail qui fait la donne. Mais le terrain public est déplacé. Et nous te dit là, nous te dit nous avons une bouche cabrite, nous te dit recette pour Baltimore, 3 points pour l'équipe Belle Colonne. Effectivement, c'est ça qui passe. Et c'est très difficile pour le Baltimore à permettre que la tempête définitivement relancée. Et deux équipes qui gagnent à l'extérieur là, c'est deux équipes
deux anciens champions dans la compétition, dans le championnat lui-même, et deux équipes qui sont gagnées déjà, qui déplacent à gagner en deuxième victoire, qui relancent complètement l'ancien équipe. L'homme, l'équipe, ça, mettez grand monde sur eux. Ils sont difficiles pour gagner. J'ai un parti là. L'homme, il y a un problème. Vent a soufflé pour tempête. Vent, il y a un fiment d'enragé, il y a un difficile pour gagner. Ou on a le gagné en finale. Et l'OLG, en finale, ça, ça veut dire que c'est un gros classique qui gagne dans le football haïtien depuis 1989. Mais pendant qu'on a parlé dans le football haïtien depuis 1989, il faut que nous gagnions des mots de point rétablissement et au docteur Germain. Docteur Germain, et nous connaissons ses anciens ministres, c'est un monde qui était gros artisan pour être capable de gagner un championnat national dans la forme ça, qui n'est pas d'accord pour le football à fait seulement. N'importe quoi, pour c'est là qu'on parle seulement toute équipe vient n'importe quoi. Donc, docteur Germain, qui est souffrant, nous souhaitons lui et au point rétablissement, équipe Sport Express 62A, voyez tout modèle conforme. Bye, docteur Germain, nous connaissons qui, nos situations qui pas trop facile. Tout à fait. Alors, nous allons faire commenter sur tout à l'heure, sur les cinq équipes qui montraient intention au Kounia pour remporter le championnat. Avec Tempête et Baltimore qui mêlent de la partie, nous avons les Grenouins, nous avons ASC, Wanamet et puis Football Club Petit Guave. Vraiment, bon, il y a deux noms qui prennent. Est-ce que vous pensez les Grenouins dans vos yeux? Je ne sais pas les Grenouins là. Le fait que, bon, le 5e ou 6e. Non, c'est place n'est pas important. Mais c'est pour la dynamique qui gagne dans l'équipe. Là, vous sur l'équipe qui est bloquée en côté. Si l'équipe est bloquée, c'est difficile qu'on y a là pour dire. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de fêtes psychologiques après des fêtes face à l'équipe? C'est des éventualités qu'on a considérées. Il faut que nous attendions, mais laisse à tout. Lorsqu'on est qu'équipe a gagné de petites difficultés à l'intérieur, même de l'équipe, il est difficile pour dire que ça a pu marcher normalement pour l'équipe et les Noirs. Nous pensons que qui a gagné un peu de difficultés dans le championnat. Et là, nous. Et ça c'est l'aigle et l'image qu'on a parlé. Nous parlons de CEMAC fameux pour nous capables de montrer l'image et derbia entre Tempête qui était en déplacement, Kai et Baltimore. C'est ça. Bon, là, nous sommes Tempête en bleu et blanc, et Flamengo et noir, là, c'est bien sûr pour le Baltimore, avec Peter Germain et tout le reste là. Bon, gros job là quand même. Blanc solo. Peter Germain, vraiment, c'est. Toutes conditions réunies pour te gagner, ils ont un gros derby. Bon, même si on parle là, papa, mais le fait qu'ils sont là, c'est deux symboles du football saint-maquois. C'est football saint-maquois. Et d'abord Peter Germain, et puis ensuite et Blanc Solo. Tout à fait. Et le Tempête de Saint-Marc, qui a avec et Maro Bleu à la A, et maintenant, première attaque, est vraiment là, Blanc Solo. Et tu retrouvé là deux reprises dans position pour le temps, mettez en difficulté le gardien du Baltimore. Là, ballon mal relancé par les Flamingos et Noirs, les joueurs du Baltimore, qui te joué quelques coups francs quand même. Ils ont essayé de faire circuler le ballon, mais à chaque fois, ils ont perdu ces problèmes pour l'équipe. Pour défense équipe Baltimore à chaque fois avec du ballon mais ils ont été dangereux à chaque fois tout ils ont gagné balle arrêtée là problème pour Tempête avec coup franc ça cap sorti à gauche par la droite Peter Germain quitté pour partenaire lui ballon soulevé bon dégagement pour gardien même si que joueur Tempête yo réclamé faute sous portier wa mes amis ça sent l'autre occasion Junior Dena mais vraiment lui gardien qui sacrifie tête là qui a calé là vraiment nous un bel petit public et dans match à tout à fait mais vraiment tu as quelques belles actions dans match là et côté Baltimore et côté Tempête en pile espace tout est créé et ça le but oui c'est le but la reprise bon bagage de... bon jeu collectif gardien sorti et puis je fais un petit piqué ouais. Pour permettre que yo inscrit unique et goal qui gagne dans partie c'est par Wendy Jimmy Ordena Peter Jimmy Ordena qui c'est buteur et Namata et pour équipe et Tempête de Saint-Marc nous va comprendre comment Moun Tempête équipe belle colonne et c'est sous ce score ça que match a pas fini mais quand même Bernard nous a remarqué quelques belles athlètes là dans l'équipe Baltimore et dans toutes les deux équipes ni dans Tempête ni dans
ni dans Baltimore, nous avons quelques belles athlètes. La police est venue, la police est fait déplacement. Peter Germain est un bon capitaine, l'a sorti et quitté terrain, mais avec un pile et désolation. Mais il y a ça dans le football, tempête qui définitivement baille l'équipe Baltimore ticket aller autour. Il était battu, même score, 1-0, 1-0. Le monde tempête gagne loi bouchée sous l'équipe Baltimore parce que gagne un bon bout de temps et tempête pas qu'on fait, radies mêlée à tout et permet citer ça sous l'équipe et Baltimore. Mais bon, il réussit faire dans la saison ça. Et j'aime dire tout à l'heure, et puis gars, c'est Baltimore qui crée pas ça là pour tempête aller côté. Mais nous sommes dit à l'heure. Yo très solide en tout cas dans playoff. Yo très solide tout gagne le Dortmund Saint-Marc que me balle avec que bien. Yo dit que quelque temps pas remporter championnat national et ça commence manquer yo. On dit quel qu'en soit équipe ville là qui remporte championnat national, yo pas de problème avec. Que ce soit le Tempête, que ce soit le Baltimore, rivalité c'est à l'intérieur de la ville de Saint-Marc, mais pour la ville de Saint-Marc, on pense faut que champion. Tout à fait. Moi pense que et faut que Tempête pas trop euphorique, ni fika tout, yo ta supposé gagner un premier objectif, les playoffs. Je pense que c'est là. Je pense que c'est ça pour yo viser la première parmi quatre premiers. À partir de là, yo ka envisager ça, tout le monde a gagné le titre. Mais pour le moment, c'est quatre premières places pour viser. De toute façon, on a regardé la réaction Serge Louis, qui est capitaine équipe Tempête de Saint-Marc. Les ou gagner face à adversaire ou ta pire envie de gagner, vraiment ou gagner un peu de satisfaction. Serge Louis dans le micro et Sport Express 62. Fonction dans le championnat. Bon, je dis à c'est un gros match pour nous, c'est derby face avec rival nous. Nous gagnons 1-0. Bon, c'est un gros bagage pour nous. Nous prenons le travail, le championnat a beaucoup fini. Et nous te dit n'a travaille comme si pour fanatique tempête yo même pour un petit soulagement pour casou en un moment et c'est ça nous te fait pour nous te travail pendant ces maintenant pour nous te bailler victoire ça. C'est vrai nous connaît équipe Tempête à deuxième là en position qui tout à fait difficile après victoire ça est-ce que nous capable dire Tempête li relancer. Bon c'est ça même nous relancer depuis bien longtemps sur tap sud et football là c'est comme ça lié gain ou gain ba dans football là nous t'es conscient comme si nous pas de bonne position nous t'es là on y a noté nous tout joueur nous prend conscience avec dirigeant pour nous faire l'autre tempête et pour nous voir si nous cal jouer playoff après victoire ça et fanatique pour le venir dans match pour l'exiger nous plus qui travaille spécial qui va le faire bon côté par nous pour que nous capable rester sous même lancer ça puisque aujourd'hui nous livrons un bel match. Bon, on a prêté sous même lancer. Après, Tempête qui a joué là, ce n'est pas Tempête qui était garé. Bon, c'est l'autre Tempête. Bon, nous avons un coach qui a travaillé bien avec nous. C'est coach Will Saint-Gis. Bon, on a travaillé, c'est notre travail, nous quoi. On a travaillé pour nous réaliser les rêves. Un bon message pour tout fanatique Tempête qui était déplacé, venez supporter nous. Bon, message là par l'autre, nous avons des fanatiques qui ont toujours supporté nous. Et venez dans l'entraînement, relayer des joueurs pour nous faire l'essentiel pour nous, pour nous faire l'autre Tempête. Et très prochainement. D'accord, merci. Ou qu'à comprendre l'interview après match a été réalisé par confrère de Radio Guinée qui avait nous te partagé image et tout même là que nous mêmes nous te là ben. Tout à fait et je pense que là et avec Winlo c'est juste bon goût avec a fait dans équipe Tempête là mais qui t'a entraîné équipe Baltimore ancien joueur équipe Tempête tout et oui mais qui t'a entraîné équipe Baltimore okay. Tout qui donc, champion interrégional avec équipe Baltimore équipe Sema avec équipe Sema là oui c'est ça donc moi pense que c'est un bon bagage le fait que ancien joueur a reconverti en entraîneur et a mené l'équipe aussi bien comme ça. Et là, monsieur, il y a un gros défi, un gros challenge avec l'équipe Tempête ça. Et c'est peut-être un gros bagage qu'il a réalisé, battre et adversaire là, et la caille. Et là, et pour relancer la compétition et viser les playoffs, pourquoi pas le titre. Et viser les playoffs et le titre pour le Tempête de Saint-Marc. Ça t'a fait Ville Saint-Marc très bien. De toute façon, on continue à suivre et les gens qui ont réagi après le match n'a pas regardé. Ordena, Jimmy Ordena, qui était buteur là, nous sommes tous marqué un superbe goal pour te permettre que Tempête et gagne un match. Ordena. Victoire, je ne sais pas si espéré que je me marqué parce que je Jimmy console au boule, mais il va habiter faire goal. Jimmy a travaillé, il a vu une pire réaliste. Il a continué à faire l'équipe la victoire. C'est fou travail, nous.
qui cause nous à jouer comme ça. Oui, je suis dit ça depuis le match de Sigouave, mais on a continué à travailler, nous décoller, nous gommer pour nous jouer 4. Parce que tu as peut-être jouer titre, nous requêtons nous pas jouer titre, année ça nous permet de fatiguer, nous pas jouer titre. Oui, je reconnais ça, et peut-être ça, nous avons travaillé avec coach, avec tout coéquipier pour nous sortir dans la place, parce que pas place tout ça. Bon, je suis bien content de venir en foule, parce que je ne vais pas jouer, nous venons encourager, nous je suis m'a demandé pour continuer à encourager nous sans jouer et continuer à avoir victoire. Merci. Il y a continué à avoir victoire parce que les tempêtes en forme, bah la Thibonite l'a chauffé. Et continuer à encourager sans qu'il ne pas jouer. Et peut-être des fois jouer à qu'on est important. Il n'y a pas pas jouer. Pour booster. Bah, non. Ah. Ils savent qu'on a un souple dans l'habitude de nous, nous. On a supporté, encouragé sans jouer. L'autre côté, surtout les l'autre côté de jouer et tout. Où est-ce que passé Timon et il a dit. C'est ça oublié, on va dire, monsieur. Non, il y a toujours quand même. Et Abdou Rop, pour un poste intéressant, ces jeunes joueurs viennent faire, on m'a dans mon, viennent faire pression pour bon cop, pour pas qu'à jouer pour l'équipe là, bluffer, et faux capitaine, et c'est pas décoser, on dit, mais c'est à non. On dit, mais c'est à ça, qu'à ça, on le dit, bœuf là. Où qu'on ça, qu'à ça, on le dit, bœuf là? On parle, lui, comment on dit, allemand, dit, c'est ça. Et bon, maintenant, on nous continue. Si vous pas qu'on est. En Alcadé et Herbo Odelus, qui est entraîneur équipe Baltimore, lui-même, comment il réagit après la défaite ça? Nous pensons que son défaite qui a bien un goût amer dans la bouche, monsieur, parce que l'on perdu face à l'adversaire ou quand tu as pire, mais gagné, ça a été fait mal. C'est toujours difficile à digérer, surtout dans la position Baltimore. Vraiment, nous pensons que 3 points ça t'a fait très bien et t'a fait bien en pile. Nous t'ai compté et fait différence. Ce n'est pas parce que c'est un prêtre qui fait nous compter et faire différence, mais c'est parce que 3 points sont importants pour nous. Mais malheureusement, ça arrive dans tout match de football. Et un prêtre prend les dessus sur nous. Donc nous obligés d'accepter le résultat et puis ouais, c'est un travail pour nous améliorer le classement. Bon, je pense que nous ne pas sous-estimer le match. Nous ne pas sous-estimer la tempête parce que nous avons un derby et pas jamais ça là-dedans. Nous avons un ensemble de paramètres qui fait que. Match football, ça a toujours des surprises là-dedans par rapport à l'équipe qui pense plus en force. Mais en général, nous n'avons pas trop bon que tempête et en termes de résultats. Parce que je pense que nous avons 2 points en plus de tempête dans le classement et clôture. Donc je pense que ce match est abordé et notre tête, nous avons abordé pour nous gagner. Donc nous avons vraiment qu'il y a fois dans la première partie. Nous avons un problème surtout dans l'axe terrain. Et je pense qu'après la première partie, nous sommes rentrés dans le vestiaire et nous avons remédié et constaté que deuxième mi-temps, nous avons vraiment un contrôle de jouet là. Malheureusement, il a fait depuis qu'on l'a fait sous lui. Donc c'est la réalité de jouet là. Bon, je pense que jouer contre ça, ce n'est pas la première fois que le résultat est négatif. Le football là, c'est même avec la vie. À chaque fois que vous tombez, vous êtes obligé de gourmer pour être sous campé encore. Donc je pense que dès mardi, nous avons pris le terrain pour que nous remettions l'équipe là sur Rally parce que nous ne pouvons pas quitter la défaite là. Final avec nous net parce que nous avons un pile match qui était toujours. Nous avons encore 6 journées. Donc, l'objectif, c'est de continuer à gourmer pour nous retirer Baltimore dans le classement et dans la position qu'il y a. Très fair play. Ce n'est pas tomber qui est important, mais c'est lever. Et ils ont perdu une bataille, ce n'est pas la guerre. Yeah. Donc, ils ont continué à gourmer. D'ailleurs, ils ont pris toute disposition justement dans le match pour ne pas perdre une. Et corriger l'erreur qu'ils ont remarqué, dans le premier mi-temps. Malheureusement, dans le joueur tactique, il y a des erreurs, payer au cash et au payer au SA. Il est d'accord que le PL, Jean le PL, il peut continuer la bataille. Mais Jean le dit, c'est 3 points qui t'a précieux pour eux-mêmes en vertu des playoffs. Oui, et ça t'a permis de presque à faire descendre dans la division inférieure. Il n'y a pas concerné du tout à ce qui a passé en bas. Mais là, il t'a pas au plus un point pour aller jouer. Ils ont fini parmi 4 yo. Mais tant que le dia était 6 matchs, et ils pensaient que dans 6 matchs, après le moment, ils ont fait le meilleur résultat possible pour permettre que Baltimore lui-même l'irrité et d'attaque. Et dernier monde qui pensait que le cas continuait dans la même ligne, c'est Wendy et Saint-Just, joueur équipe Baltimore. Qui croit que défaite là, c'est vrai qu'il fait au mal, mais il n'y a pas parlé au plateau internet avec un pile fair play pour dire qu'il n'y a pas le continuer de travail. Puis ouais, comment a pleuvé pour continuer reste compétition? Un peu en tristesse. Un peu si ça vient arriver. On a perdu devant l'adversaire direct, non? Donc on s'est représenté, on a perdu devant l'adversaire direct. Moi, l'eau infecté. Mais ce n'est pas la fin du championnat. Le championnat a été 6 journées.
et Baltimore gagne pour le recevoir à Namet. Next journée là, on t'a souhaité d'être fanatique. Pas découragé parce qu'on perd devant tempête. Trois points tempête là, c'est trois points d'habit. Devant à Namet, c'est trois points toujours. Et viens encourager, non. Encouragement, c'est pas jouer le vigné. Viens battre mes deux, non. Et puis, bon, carré à Namet, pourquoi pas, il y a des soucis. Il y a un tâté non bas et non, mais non. Mais c'est-tu qui allait autour? Bon, ça en fait. Ça a fait tout le temps. Mais là, le fait, on est infecté, mais on va garder fait lui. Je dis, c'était un derby. Comment t'es trouvé derby dans l'ensemble? Bon, très bien. Ni bon côté tempête, ni bon côté Baltimore. Tempête, je premier mi-temps, moi, c'est me encaissé, mais ça va arriver. Deuxième mi-temps, malgré une derrière, commence à monter sous tempête. Nous venons pour un goal. Et le goal là, tout taché. C'est ça qui vient de passer. Nous voulons résister, non? Nous là pour le next match. Bon, je suis ni fanatique Baltimore, ni fanatique tempête tout. Courage. Ensuite, nous connaissons des gens qui peuvent dormir, ça ne peut pas manger là. Mais c'est la vie. Entrez là quand nous repensons et nous même jouons et pas placement Baltimore, ça nous prend le travail. Plus, nous corriger pour nous avancer dans le classement championnat. Heureusement, et monsieur prend Wendy prend bas là très bien. Oui, très bien. Bon, c'est... Mais par exemple, on est affecté. Yo positivé. Non, de fait pas affecté. Ah, oui. C'est un gars, l'affecté. On est d'accord que l'affecté. Non. Et relax. Sans problème. C'est vrai que, est-ce que c'est sport qui bat force ça? On va faire maintenant la mourir à là. C'est vrai. J'avais essayé de jouer avec Théa. Puis j'ai dit, bon, il n'y a pas de manger. Débrouillez nous à manger. Parce que, bah, là, on finit. Mais d'accord avec vous. D'accord. Et que, fuck you. Ou pas qu'à quitter. Comme si des fêtes là et filer avant net et pour aller. Et yo, c'est bien que yo prennent sans ça, yo pas envie goumen, yo fait blessure, yo côté ça pas de marché et yo connaît que yo t'est tombé, faut que yo levé pour qu'on continue. Yo gagne yo l'autre match pour acheter. Yo gagne l'autre match pour rattraper. Là que on équipe de Baltimore qui sorti contre sorti. Ou rivé là, ou qu'on est 3 points à bas ou 16 ou 17 points. Ou ratel Nandoula ou pas sous jouer médecin encore non ou sous jouer play-off sure. C'est play-off ou viser mais jusqu'à présent on a toujours visé mais maintenant pas savoir Namet faut pas 5 derniers mais faut c'est pas, c'est pas pour client facile pour Namet là même si d'autant plus que Namet pourquoi jouer non mais ben, ça ca bon bouillon parce que n'a pas regardé dans résidence on pas anticipé problème de rythme d'après entraîneur résident Toto fait que yo pas font meilleur résultat face à équipe efficace donc peut-être recevoir Namet capable un bon bagage pour eux tout, yo même yo dans rythme, yo dans dynamique là et c'est nous pensons que le public là a toujours continué venir chauffer équipe et Baltimore. N'a pas aller dans stade Divocator, tu gagné un gros classique, dans football haïtien, dans le championnat ça, c'était deuxième finale, nous songer ça tant qu'aujourd'hui, l'Efficat est fin cassé maintenant même Violette les champions et première édition en 1989. 90, les joueurs Racine, les cassés maintenant mais Racine, nous, depuis les ça, sont gros classiques entre Racine, Fika, dans le stade Vieux 14, c'est pour match de jeunes petits. Et là, le public a fait déplacement, tout pour regarder, même si on part en pile, il était plus en tribune, malgré que tu as en pile, et beaucoup de gens ont regardé, c'est ça, moi, je disais, moi, tu me fais, public te fait déplacement. Non, c'est ça, nous, c'est pas public qui fait ça. Public qui beaucoup de fameux. Qui beaucoup de fameux, derrière. Nous, t'es là, et Berman, dans ma chambre. C'est ça. Et, par contre, c'était 58e IDG, Bruno Winet, Pendier Gardien, Récine là. Il a ballon contré. Bon, on bel shoot. Ballon contré. Il fait en cloche. On bel longueur. Mais c'est mon tefi qui a monté sur Récine dans ma chambre. Monsieur font un pas en avant là, ouais. C'est pas ça qui trahit là. C'est pas ça qui trahit là. Pas trahit. Le côté de ouais, mais pas. Il ne fait pas ça. Monsieur Souprenny. Et puis ballon contre. Monsieur Souprenny. Et puis là, il tombe des doules. Et moi, j'aime le plan que le fameux prend là, par contre, côté de campé, pour te battre nous, image, pour te voir pratiquement toutes les phases de jeu, équipe et FICA qui te fait voler ça sur le site. Mais fameux démentir nous parce que par contre nous avons des grands grains de monde dans le match. Alors ça nous dit monde de faire un déplacement et ça veut dire que là dedans on menti. Parce que un monde qui garde qui dit que nous te dit match des grands monde ah la petite exao c'est de
De bêtises. Parce que en face temps vraiment pas de bon. En face pas de bon. Pas gagné du tout, mes amis. Si c'est significatif dans situation ça, nous pensons que bah la grave. Gon bagarre pour qui fait dans football auto prince. Ah non 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 non. Ou bien fameux qui pas monter côté gagne mon. Non mais parce que généralement match pas gagné. Moi même non, tu es passé devant stade, tu es mon apprendre vrai. On y a gagné en tendance regrouper et tout dans tribune. Non, deux bords tribunaux. Deux bords tribunaux avec un bon cimetière qui est tout prêt. Tout à fait. C'est là. Prochaine fois, fameux, l'eau a le film et match, on vote pour moi. Oui, c'est ça. Et pour pas moi, en face. Vous pensez qu'il y a aspect ça. Il y a aspect ça, mais quand même, nous pensons que ce n'est pas normal. Que ce n'est pas significatif. Pour tout garder en vide. Pour tout garder en vide, on m'a sans goût. Ce n'est pas normal, mais bien que, il faut dire, tu as un mauvais temps. Le monde qui l'a quitté sur Tio, c'était. Bon gens fanatiques, bon gens fidèles, équipe efficace avec Aristine qui était sorti pour t'al garder match. De toute façon, Toto Bovet lui-même, il a réagi comme ça nan, et devant caméra Sport Express 62 et fameux qui était à le couvrir match à Bon, avant de commencer, je vais annoncer un problème qui est au niveau du Aristine. Nous avons à peine perdu Jean-Marie lui. Et un joueur qui passait de présentation, sélection nationale, etc. Et c'est un deuil. Et nous, aujourd'hui, nous perdu. C'est cause de problème de jouer. Alors, nous avons 3 semaines depuis nous pas jouer. Nous n'avons pas en compétition du tout, nous pas jouer de match amical. Et jouer nous censé gagner plus de problèmes pour jouer. Même penser que aujourd'hui, là, c'est ça qui veut que nous ne faisons pas gagner. Ça veut dire que défaite Saint-Jourdain ou Lille a un manque de compétition pour côté pour nous. Normalement, on fait trop de temps, on a une compétition si un petit genre et m'a dit pour jouer. C'est comme ça que j'ai fait une compétition. Et lorsqu'on a un temps de répit, bon, on a un temps de répit encore, j'ai matché et la pu gâter. Problème de concentration, problème de volonté, beaucoup de joueurs aussi dans la caillou. Je pense que tout ça fait partie de la défaite. Non? Mais nous pensons que c'est la vie, c'est le sport, de toute façon, on n'a pas avancé. Alors, mis à part un manque de compétition, mais qui ça ou approché pour le long tour? Normalement, depuis qu'il n'y a pas déplacé, il manque de mobilité, il manque de finish, il manque de concentration, il manque de détermination. Et bon, c'est ça qui arrive avec le problème. Et là, nous avons dit que Jean-Marie Louis, oui. Et qui passait de la vie à Trépas, et dans ce moment-là. C'est dans le week-end? Dans le week-end. Début week-end, d'après l'information? Nous avons Jean-Marie Louis qui était conduit tout court. Mais il était conduit au football. Il était conduit au football, il était conduit. Tout court, musclé. Et musclé, et a marché tant qu'un petit cabrit. Et c'est comme ça que Michel était marché sous terrain, couru même déjà, élégant, et comme joueur football. Malheureusement, la dernière fois que je me Jean-Marie, c'est dans la discussion de la statue jugatoire. C'est là, il est pour l'entrée dans le match et puis il est bloqué. Et puis il dit mon nom de pas qu'on qui est capable d'entrer là. Qu'on est monsieur, c'est un goudéo. C'est là qu'il y a un petit genre qui est en. Chaud. Et puis, il dit Jean-Marie lui, il a dit qu'il était belle, c'est Jean-Marie lui. Et puis, il y a une discussion par l'empile, on était campé là à regarder. Et puis, il me dit qu'il y a une barrière, monsieur, son icône, football là vraiment, qui travaille un peu pour. Non, Mathieu, c'est là, s'il vous plaît, de bloquer, monsieur. Donc, on peut comprendre, Jean-Marie lui, qu'il a bloqué, Mathieu, c'est comment monsieur a été estomaqué. Et il a fini par quitter l'entrée. Il était regardé le match, mais il fait tout le reste du match. Il a fait mauvais sens, tellement il était vexé que il était bloqué. Nous souhaitons condoléances. Nous voyons toutes ces parties, la famille et Jean-Marie lui et petite lui, parce qu'il connaît des petits. Et tout le monde qui pour Jean-Marie. Zamine, fanatique Christine. Fanatique Christine, famille Christine. Et son joueur qui était un idole pour Yotou, en dans Christine. Next, il y a une racine dans le sang. Je ne sais pas si Jean-Marie Louis était pour couler l'autre équipe dans la capitale. C'était des dévoués et pour l'équipe récente. Toutes ces parties-là. C'est ça. C'était des gens qui étaient dévoués, qui étaient attachés à la racine. Et Jean Tabdil Lanataléa, dans la période de Jean-Marie Tabdil pour la racine, il était un joueur important. Très important. C'est pas, je veux dire, il était raison avec ses consoles, pas n'importe qui joueur ici. C'était un joueur ici, il était qu'à compter sous lui et qui était bien pile sous terrain pour le Racing. C'était un visage emblématique pour le Racing. La parole de Jean-Marie Louis. C'est même époque où il y avait Philippe Bondé, c'est une équipe là. Il y avait un certain Gary Louis qui était conduit l'équipe là. Chris Monod était conduit, il y avait un petit nom qui était les Cocos. C'est une belle génération Racing. Équipe Racing, une belle génération. Racing Club Haïtien,
vraiment mon Racing qui a gardé nous là yo nostalgique mais et on dit que Jean-Marie avait défendu et avec toute âme tout courage Racing et que mon Racing a toujours continué pour te Jean-Marie lui dans cœur yo que yo perdu dans ce ben ça et là Toto Beauvais fait référence à Jean-Marie lui c'était même période tout que yo tenant Racine et donc ça veut dire que c'est monde qui était proche. J'espère que Racine a préparé pour le rendre un dernier hommage, un bel hommage à Jean-Marie Louis qui quitte nous et quitte nous net et c'est à tout mérité. Et là, si nous avons un aspect technique, Gérald Beauvais dit que l'équipe a gagné 15 jours pas jouer. L'équipe a gagné 15 jours pas jouer. L'une en compétition, même match amical, il va jouer, ça paraît difficile pour l'équipe là. Et là, il y a eu manqué rythme vraiment, alors que le Racing qui était commencé et après rythme, là, c'est un gros problème qui gagne en dans le championnat, mais quand même, c'est la nature, c'est le problème que nous connaissons passé. Qui... C'est dommage, problème de temps, et ça ne pas montrer notre image, résumé match là. Maintenant, image goal là, ou qu'a remarqué rythme, problème rythme. Yeah. Fika pour ballon, il saute dans le can. Il fait trois passes et puis tout joueur est campé par un pressing, par une agressivité, la frappe contrée et puis gardien qui tape sorti pour voilà. Il manque de concentration. Il m'a illustré carrément ça que. On manque de jugement et par rapport à et garder la harpe et gens équipe ou sortir équipe là par exemple et comprendre ballon perdu là gardien ouais pas quelqu'un qui est retourné monter sous lui ouali tout le monde a fait back c'est pour contre les deux pour contre nos zones dans tout il faut que jamais monsieur toujours frappe la fête et puis ballon contré voilà donc et nous qu'à comprendre et frustration entraîneur mais le fait que manquer rythme ça capable arriver de toute façon le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bon côté, ou dit lui-même, ou dit Joseph, qui ton éternel adjoint dans l'équipe et FICA, et comme entraîneur adjoint, qui remplace depuis après des billets. Libre cours. Ah, il y a dit Fento Pierre. Libre cours. Je suis venu, on fait gros gorge, au derby, premier derby, final. Et puis l'équipe a perdu. Je dis, Michel, allez. Et allez bosser là-bas. Et puis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yoba, ou dit Joseph. Équipe là. Et on va parler de Woody qui a parlé, pas seulement en tant qu'entraîneur FICA, mais on va parler de Goncoto où il sortit que Michel a parlé de Joe Canel FICA. Yes, Joe Canel FICA. Il a parlé de Joe Canel encore. Il a parlé de Joe Vidin. Ah, Joe Vidin? Joe Vidin. Ah. Vidin, vous pensez à Vidin? Là? Vidange. Vous pensez à Vidange? Je joue les Vidanges. De l'eau canne et un l'eau qui finit. Vous mettez un côté. On parle de Gandé. Je ne sais pas si vous avez fait évident. Comme si vous n'avez pas de dehors tout bon. Si vous avez mon pied dans la roue. Oh, on va faire ça. Ah, on va regarder. C'est parce que c'est dans le champ. Ah, excusez-moi, parce que vous n'avez pas de dehors tout bon. Voilà, quand même, c'est pas tant que ça. Ah, ok. Pas champ de l'autre bon. Et champ qui bon. Un dominicain. Et ça, c'est là. Je ne sais pas. Champ de l'autre bon. Au moins, qui t'a donné le champ de l'autre bon. Il n'y a pas passé ce chacun. Non, il y a pour embarquer tête au bois, ça ne doit pas faire discrimination, non. Mais quand même, et, la vie est difficile. Dire, on est au monde qui sort dans la bataille, c'est pour la vie facile. C'est la vie qui est très, très, très est difficile. Par contre, si on entend des musiques, ça, que Jean-Claude Martino, que dans le temps, chacun dans Igwe, dans Dominicani, leur garder, Mounio, vraiment. Et, non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est une situation qui est difficile. Et c'est ça qui fait que nous pensons. C'est des situations pour nous goûter, pour nous. Pas dans nous. Nous souffrons trop. Nous passons trop pisé. C'est pas ça, ça. Non, hein. Il y a un peu de bagage encore. On allait. Et Woody Joseph est dans la caméra et Sport Express 62. Oui, ça y a quelque temps. Moi, je dis ça. Babalé, tout aller. Soit vient de là pour faire quelque chose de bien. Je connais qu'on joue football. Pour une raison ou l'autre. Quand on monde qui compte jouer. Il faut que meilleur de vous-même. 12e jour, on parle pas de Bayassa, la Camille Balet qui va négocier quoi pour vous. On peut bien dire oui, c'est négocier qu'on négocie toi pour Ravel. Vous comprenez? Si moi-même, tout m'a négocié toi pour vous. Si moi, violent, 4, je vais négocier toi pour Ravel. De ce fait, nous allons travailler en pile pour que le même résultat soit sur le terrain. C'est comme ça, le potentiel n'est pas là, vous allez chercher à Jonathan, qui a relancé la compétition. Avant, Babaleto était un monde, après, on supposait un monde. Et ceci, monde pas venu prendre place, monde. Vous venez jouer un poste que vous mettez.
Il n'y a pas de place qui a écrit Babalito. Babalito a allé parce que ça n'a pas existé encore, non. Et nous mettons mon nom, il faut qu'il fasse le job là. Il n'est pas capable de changer parce que les gens sont touchés pour changer. Vous avez été longtemps adjoint, je veux dire, le coach principal, peut-être son contrat non? Non, pas de problème, non. Il n'est pas grave, je suis là avec Maxime Auguste, je suis là avec Abela, je suis là avec Fendo. C'est un élève de l'école là, tout. On n'a pas le temps pour l'exprimer, etc. Vous comprenez? Pas qu'il y ait de problème, toujours dit, toujours souhaiter bonne chance, côté, n'importe côté l'aller, que le travail, que la faire expérience pour le tourner. Vous comprenez? C'est ancien gardien 2009 en deuxième division. Il était fait une bonne saison. Moi, toujours souhaité que Lili réussisse dans la carrière. Nous avons un grand guerrier au monde. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un monde qui est merveilleux. Lili, toi, claquette, il fait là. C'est assez surprenant. On lui montrait que l'idée décisif n'y a pas gagné. Là, mettre les joueurs en confiance pour gagner. Aïe, Goudi Joseph qui remplace Fendo. Il fait deux victoires. Il y en a l'autre. Il était fait match nul. Et là, il fait deux victoires. Et Fika qui a commencé à viser plus aussi. Et si on continue comme ça. Avec un beau calendrier. Parce qu'il y a aussi bon deux matchs et consécutifs. Donc, pour permettre de remonter le classement. C'est-à-dire, et là, virtuellement, il y a 6 points. 6 points pour prendre. Et connaissant Jovidan et Fika, il y a pour mettre pression. Il y a mobiliser pour faire 6 points ça. Et pratiquement, mettez-le peut-être dans la deuxième ou troisième place dans le classement. Et pendant que vous regardez là, allez sur telegalaxy.com et puis live. Émission, on va suivre lui. C'est ça, comment? Et c'est ça, lui. Télégalaxie.com. Radio-télégalaxie.com. Radio-télégalaxie.com. Live pour garder Sport Express 62. Si vous perdez le droit sur YouTube, tout à l'heure là, avec les techniciens qui travaillent. Red Nochoa, ou jeune fonctionnaire et qui a voulu monter live et soit Express 62. Là, on a regardé le résultat Robertman qui était fait dans 11e journée du championnat national. Pas de grand pile match qui était joué et on dit sous 9, bon, en tout cas, plus que la moyenne, tu as 5 matchs qui étaient joués et c'est un seul match nul parmi 5 matchs. ASM, match 22-0. Et très bon résultat pour l'équipe ASM. Hein. Juventus qui. Et tu supposé jouer demain, mais le match a reporté. D'accord. Parce que il y a eu une difficulté. Violette en déplacement à Caritigouave, lâche un point. Lâche un bon point, un bon match. Ça qui montait que Violette, j'aime dire là, a nourri un peu le regret par rapport à mauvais et premier tour que des joueurs. On m'a dit finalement, les Noirs récit tombé. Il faut dire que Inter de Grand Gouave, Cavalli discontinué. Tu as un match à table joué, il était 1-1. Il était 1-1. Pénalité, équipe refusée, pénalité shootée. Match a parlé avec Prud'homme. C'est Prud'homme qui pourrait décider sous question et Inter de Grand Gouave face à l'équipe. Qui ne connaît pas ton patron, qui est Prud'homme? Pour nous parler avec la justice. Qui parle dans l'État. Qui parle dans l'État. Mais pas l'État, ça y est, mais c'est l'État football. L'État football. Il y a devant la justice. Destin ou pas dans mes non. Dès pour parler devant l'État. Même si vous parlez de Prud'homme. Même si vous avez raison qu'on saute. Parce que c'est Prud'homme qui va décider. C'est Prud'homme qui a décidé. Ou sous compte on juge. Bon, si le juge a mal dormi hier soir. Et puis l'a levé pour venir dire bon, pas un femme tête nègre ça, pas un nègre noué comme ça. Ou coupable. On allait. Ou que problème. Et puis, reste comme Haïti. Non, reste une football comme de Gonaïf qui réussit. Oui, l'aigle qui réussit. Il casse ses ailes, l'aigle là. Tombé 1-0. Récit Gabaïs et Fika. Et Fika bat 1-0. Et puis Tempête qui te bat Baltimore. Yongola. Grand derby qui jouait. L'autre là, on était terrain praticable malgré toute équipe qui mobilisée. Quelques fanatiques là. Match pas joué entre Real et ASC. Le classement. On va voir comment on va aller. Voilà, maintenant en tête. 18 points. Ouais, côté Tempête. Avec un match en retard. Et Tigouave, deuxième. Et avec 18 points, il paraît un match en retard. AEC 17 points qu'on match en retard. Fika, 15 points déjà 4e. Déjà 4e. Real qu'on match en retard. 14 points. Mais qui a joué avec AEC, qui a remonté à hauteur d'AEC. L'Aigle Noir qui a 14 points, j'ai tout match. Il paraît un match en retard. Tempête, paraît un match en retard. 14 points. 14 points. Mais dans 5 premiers, il y a toujours un changement, dépendamment du résultat ASC avec Real. Et Wanamet, ASC, Real. Real. C'est ça, tout à fait. Bon,
pratiquement surtout entre AEC et Real qui face à face Et là vraiment j'en ai parlé bon comportement pour équipe Tondo gardez pour dans quatre équipes que ont gagné qui dans première division yo close yo premier yo deuxième et puis quatrième cinquième ça veut dire que yo c'est au quatre là cap goumen pour voir s'il a fait playoffs hein. Ça rien peut-être par contre qu'il est c'était 15 jours nous te font aller sur équipe capio et sur équipe capio comment équipe en général qui t'a voilà, justement là parmi cinq premiers yo présent voilà donc qui va jouer 13 points qui ca joue playoffs ou Racing Football Club ca dans playoffs Baltimore gagne chance playoffs AS Mimbale même peuple plan Violette gagne chance playoffs Inter de Grand Guave gagne tout Juventus pas gagne chance pour Juventus malgré qu'il gagne 12 points par rapport à la situation, tout ça qui est entouré équipe Juventus et Football Club Blanc. Donc, ça c'est pour Relé Gabio? Non, classement, c'est toujours. Et quatre monde qui n'a que classement, Messi, même si Don Bosco gagne plusieurs matchs. Cavalli, il y a deux matchs en retard. Il y a gagné deux matchs en retard, et jusqu'à trois. Cavalli, match à Pral Prud'homme. Et sans Cavalli, pas non même. C'est Prud'homme qui a décidé. Bon, comme il dit, c'est Léo Gann, mon Léo Gann. On ne va pas parler de. Yeah, okay. On a regardé les Léo Gann. C'est pour parler ou rien, mais parler. Il a dit, il a qu'on nous faut 10 sur 20 vidéos. On ne va pas parler. Il a qu'on faut 10 sur 20 vidéos. On ne va pas qu'on dise. Mon Léo Gann, qu'on nous faut 10 sur 20 vidéos. Sur 20 vidéos. C'est l'offre de dire à Dieu. Ça me dit là. Il y a des joueurs qui qu'on a dit, les joueurs de l'équipe Léo Gann, ils ont 3 balles. Et comme si. Ou bien, il a dit ça. Comme je ne suis pas un gardien, je ne suis pas arrivé à ce niveau. Ça, c'est. Ça attaque un dé, nous ne sommes pas gardien. Nous ne sommes pas. Bon, d'accord, c'est quoi? Nous ne sommes pas d'accord, c'est quoi? On a Et où est le Gabio? Où est le Gab? Les Noirs. Toujours là. Un gros problème. América. Et Inter de Grand Guave, qui ont un match en retard. Et qui a pris d'homme tout. Oui. C'est ce match qui a pris d'homme. Ça a décidé, je ne Violette qui gagne Violette fait bon bec. Dit pourquoi tel dé à côté lié on ça. Il y a beaucoup même pas dernier oui. Et il y a pas dernier oui. Et là et Fabien dit faut nous finir oui. Là arrivé oui. U21. Oui. Et nous gagne deux matchs. Nous gagne premier 5-1 2-1. N'a plus demain avec Trinidad pour nous finir premier pour là, n'a battre 1-0. N'a quitté Mounio. Tant. Ça pas oublier solidarité avec moun Nip, moun Nord Sud, moun Grandens et quatre équipes dans le stade Silo 14 samedi 29 et octobre pendant toute journée de 9h jusqu'à soir net et journaliste a joué d'abord avec U17, artiste pour jouer avec et ancienne gloire, ancienne star football haïtien, une façon pour ramasser toute qualité exposée, ramasser don en nature, en espèce, pour les gens, grandance, pour les gens dans le sud, pour les gens dans le Nip qui ont des difficultés. Et dans le nord-ouest, dans le nord-ouest, il y a un problème tout. Je n'ai pas le quitte avec un bail qui est tabou. Et question sexe, ça tabou ou est-ce qu'on parle non. On lève comme ça tout le temps. On parle ça tout le temps. Et on parle ça tout le temps. Mais on ne parle pas tout le temps. Non. On a regardé comment la science. On n'est pas capable. Et on n'est pas capable. Mais on t'a aimé ça. Et si on est capable. Là, on va nous chaque soir pour contrôler. Et bon, et ça, Alain, c'est juste patron, cause désespérée, le 20 n'a pas fini dans ce moment-là, ou qu'elle prend la route toujours, on a regardé pour eux, et comment la science même, il définit des questions à faire, sexe-là, comment il démystifier, on sait de causer. Grand pile dans nous, là, on a fini de garder là, qu'on y a, qui a pris vie de garder encore. Vous gardez-le, allez sur YouTube. Ça fait après vie de garder encore. Eh bien. Allez, bye bye tout le monde. Les scientifiques viennent de détruire un mythe. Beaucoup de magazines féminins affirmaient que le sexe était idéal pour pouvoir brûler des calories et garder la forme. Dans une étude publiée dans un journal anglais spécialisé dans la médecine, il montre que pour un homme pesant 70 kg, faire l'amour pendant une heure revient à brûler seulement 210 calories, ce qui représente une promenade à une allure modérée. Le temps moyen d'un rapport sexuel étant de 6 minutes, l'homme perd donc 21 calories, soit pas beaucoup plus que s'il était resté à regarder la télévision dans son fauteuil.
Ou besoin bon analyse à commenter ce sport, nous invitez à suivre yon grain de chaud sur écran. Sport Express 62. Besoin aller plus loin que ce soit pas de bien comprendre, pas quitter train à quitter. Pendant 45 minutes, vin garder, vin écouter, vin comprendre, ça qui t'est passé, ça qui va le passer dans toute discipline pour ici, pour l'autre bord de l'eau. Sorti lundi pour vivre vendredi, chaque après-midi 6h, ça va le chaud, dans chaud par là, Sport Express 62. Sport Express 62, c'est émission tout le monde qui connaît le sport.